Bonjour Monsieur Valo, vous êtes en direct sur l'Humanité, sur le Facebook Live de l'Humanité. Vous êtes député PS des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Vous avez été très présent dans l'hémicycle pendant l'examen de la réforme des retraites. Et vous appelez aujourd'hui avec les députés communistes et insoumis à censurer le gouvernement. Pour quelle raison? Écoutez, c'est une réforme majeure qui va concerner des millions de Français pendant des décennies, qui porte sur des masses financières absolument considérables. Cette réforme est non seulement une mauvaise réforme, elle est mal préparée. Et on voudrait escamoter le débat parlementaire, c'est-à-dire le travail qui est celui de tous les députés, de représenter les Françaises et les Français, et de voter en conscience sur les tenants et les aboutissants d'une réforme. Il y a eu un échec du dialogue social. Il y a eu un échec de la commission spéciale. Il y a avec ce 49-3 un échec du débat en séance. 39 articles, des centaines d'amendements n'ont fait l'objet d'aucun examen par les parlementaires. Et l'information des parlementaires, c'est une obligation constitutionnelle faite au gouvernement. Et j'ai l'impression que nous sommes plus soucieux du respect de cette constitution que le gouvernement lui-même. Avec ce 49-3, le Premier ministre dit mettre fin, je cite, au non-débat. Il dit également mettre fin, je cite, à une situation dans laquelle le Parlement était empêché de tenir son rôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication? Ah, il met sans doute un terme aux questions un peu embarrassantes qu'on a pu lui poser. Vous savez, le gouvernement et la majorité disent... obstruction, on n'a pas pu parler de fond. Mais nous avons parlé des avocats, nous avons parlé des ouvriers, nous avons parlé de pénibilité, nous avons parlé des orthophonistes, nous avons parlé des fonctionnaires, nous avons parlé de la rémunération des enseignants, nous avons parlé de taux de remplacement, de valeur du point, d'indexation. Toutes ces questions-là que nous avons posées avec exigence, parfois de façon réitérée, elles se sont en général opposées soit à des silences du gouvernement, soit à des réponses alambiquées, parfois le ministre suggérant qu'on en parle en dehors de l'hémicycle, comme si c'était évidemment le lieu pour débattre du fond des choses. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui gouverne contre les syndicats, contre les manifestants, contre les Français qui sont majoritairement opposés à cette réforme, et aussi un gouvernement qui gouverne contre le Parlement. Avec ce 49-3, la réforme des retraites est adoptée sans aucun vote, ni en commission, ni dans l'hémicycle. Est-ce que c'est un précédent dangereux et que reste-t-il de la démocratie sociale et parlementaire dans ce pays? Écoutez, moi je crois qu'on est dans un moment politique qui est très particulier. On est d'abord face à une 5e République qui est à bout de souffle, peine à créer du débat, à construire des compromis. Et il y a une vraie question institutionnelle à se poser, et constitutionnelle. Et puis il y a la pratique de l'exécutif depuis 2 ans et demi. Toute forme d'opposition est un refus de regarder le monde en face. Tout désaccord et de la base politique. Quand on n'est pas avec Emmanuel Macron ou avec Édouard Philippe, on est nécessairement un cynique, un conservateur et on est contre la France. Eh bien non. On doit respecter les corps intermédiaires. On doit respecter le dialogue social et le débat parlementaire. Le grand tort de ceux qui nous gouvernent est de ne pas croire à la possibilité d'une démocratie vivante. Demain, vous entendez créer une commission d'enquête parlementaire sur la sincérité de l'étude d'impact qui avait été donnée aux députés et qui avait été étriée par le Conseil d'État. Quel est le but de cette commission d'enquête et est-ce qu'elle va voir le jour? Écoutez, moi je crois à la nécessité d'utiliser au Parlement toutes les prérogatives qui lui appartiennent. Et la commission d'enquête parlementaire que les socialistes ont mis sur la table, eh bien, elle a vocation à éclairer l'ensemble de la représentation nationale sur une étude d'impact qui ne permet pas de mesurer les tenants et les aboutissants de la réforme, c'est-à-dire ses conséquences réelles pour les Françaises et les Français dans le temps. Ce n'est pas que nous qui doutons de cette sincérité, c'est le Conseil d'État, c'est l'ensemble des économistes, y compris certains ont été qui ont été les inspirateurs du gouvernement et qui aujourd'hui ont pris leur distance. C'est les questions que posent l'ensemble des organisations syndicales qui n'ont pas eu droit à des simulations dans les discussions qui sont déroulées depuis 2 ans. Donc qu'est-ce que j'en espère? J'en espère la sincérité qui manque au débat parlementaire. J'en espère la lumière qui fait défaut dans les réponses de l'exécutif. Puis j'en espère, j'allais dire, une forme de responsabilité de l'ensemble des formations politiques et en particulier de la majorité pour que nous ne nous sabordions pas nous-mêmes dans les prérogatives qui sont celles des parlementaires. La loi organique, puisque la réforme des retraites est composée de 2 textes, une loi ordinaire et une loi organique, arrive désormais, va arriver au Parlement. Le gouvernement ne peut pas utiliser le 49-3 parce que c'est une loi organique qui relève de la Constitution et parce qu'il l'a déjà utilisée pendant cette session. Est-ce que vous allez amender et combattre cette loi organique et quels sont les dangers qui la constituent? Écoutez, nous allons faire ce que nous avons fait en séance sur la loi ordinaire, c'est être extrêmement présent et extrêmement exigeant dans les questions que l'on pose au gouvernement, parce que, vous savez, aucun droit social dans le projet du gouvernement n'est inscrit comme une règle d'or. La seule règle d'or qui vaille, c'est celle de l'équilibre financier. Et ce sera, dans beaucoup de circonstances, la règle de plomb des retraités, parce que tout pliera face à cette exigence financière. Le niveau des pensions, l'âge de départ à la retraite, le taux de remplacement, la part de richesse consacrée aux retraites dans le PIB.
nous diront à quel point non seulement une mauvaise idée pour les retraités, mais c'est aussi une camisole pour les partenaires sociaux qui, quoi qu'en dise l'exécutif, lui seront soumis. Merci beaucoup, Monsieur Vallot. Merci à vous. Prochain Facebook Live en direct de la manifestation à République.